C'est une BMW? Une Mustang? C'est une Rolls. Le mois dernier, mon père est décédé et j'ai hérité de ce restaurant. Oncle Wang et ses amis m'ont beaucoup aidé. Les affaires marchaient très bien au début, mais un groupe d'hommes d'affaires est arrivé. Ils sont prêts à m'acheter le restaurant. Ils veulent que je le vende. Eh bien, où est le problème? Si vous ne voulez pas le vendre, ils ne peuvent pas l'acheter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En théorie, vous avez tout à fait raison. Mais ils n'écoutent absolument pas ce que je leur dis. J'ai compris que rien ne pourrait les empêcher d'obtenir ce qu'ils veulent. Les hommes de main qu'ils ont engagés nous surveillent en permanence. Et quand les clients arrivent, ils commencent à les menacer et à leur faire peur. On ne peut rien faire contre ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez prévenu la police? La police? Les voyous disparaissent dès qu'elle arrive. Je ne peux pas demander une protection 24 heures sur 24. Les affaires vont très mal. Chaque jour, c'est de pire en pire. Et les employés? Comment est-ce que je vais les payer? Et toutes les dépenses? Je n'ai pas d'argent. Ils me harcèlent. Ils veulent avoir une réponse tout de suite. Qu'est-ce que je dois leur dire? C'est pour ça que j'ai écrit à mon oncle à Hong Kong. Je pensais qu'il m'enverrait un avocat, mais au lieu de ça... Calmez-vous. Je vous ai dit que j'étais venu pour régler cette histoire. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chen. Laissez-moi m'en occuper, je vais arranger tout ça. Regardez, c'est leur quartier général ici. C'est là qu'ils se réunissent.